bien arrivée au Moyen-Orient, plus précisément en Jordanie. Donc après une grosse journée de vol depuis Kuala Lumpur en Malaisie, on est bien arrivée. On va rester quelques jours dans la capitale Amman, donc je vous mets les images. Et on va rester au total 3 semaines en Jordanie. On a récupéré notre voiture. Et du coup, on va pouvoir se promener partout dans le pays pendant 3 semaines. Donc ça va être très bien, surtout que du coup, on va être autonome. Et ça fait bien longtemps, c'est au Québec la dernière fois qu'on a eu une voiture, donc on va en profiter. Les images d'Amman, de la capitale, donc on a adoré, c'était vraiment chouette pour une première expérience. Du coup on s'est super bien adapté, on s'est mis direct dans l'ambiance, l'hôtel était sympa, les petits déj à volonté aussi, la citadelle, on est allé voir une mosquée aussi, le théâtre, donc c'était vraiment sympa. Donc toute la Jordanie, ça va vraiment être sur la thématique de l'antiquité, donc tout ce qui est le patrimoine historique antique. Donc ça va être super intéressant. Donc là on part pour Jerash, où il y a aussi un site archéologique à visiter très connu et un château. Donc Jerash, et ensuite je vous mets aussi du coup les images de Madaba, qui sera aussi la prochaine ville qu'on va visiter.
Hello, du coup vous avez pu voir les images de Jerash et Madaba. Les deux villes étaient très très intéressantes. La première du coup, Jerash, on a pu voir le site archéologique qui est immense, on peut y passer plusieurs heures. Petit conseil, si jamais vous venez en période d'été comme nous, bah, ici il fait extrêmement chaud. On va pas tarder à approcher les 40 degrés quasiment tous les jours. Donc là pour le moment ça va, mais il faut bah, se lever tôt, visiter le matin et l'après-midi, ne rien faire. Donc c'est ce qu'on a fait. Le château, c'était très sympa aussi. On a pu voir du coup la frontière avec l'Israël. On était tout proche. Ensuite du coup on a fait Madaba. Donc c'est ce on l'appelle la ville des mosaïques. Donc on a pu rentrer dans un atelier et un monsieur nous a montré comment faire les mosaïques. Très intéressant. Il y a des mosaïques partout, des églises partout, des mosquées partout. Enfin l'histoire est vraiment très enrichissante. Et la nourriture aussi. Donc depuis qu'on est arrivé, on fait que manger houmous, falafel, leur pain traditionnel qui ressemble un peu à des galettes, le fameux thé aussi, donc vraiment la nourriture jordanienne est très très bonne. Et l'accueil est chaleureux et incroyable, ils sont super amicales. Depuis le début du voyage, on a été trop bien accueillis tout le temps, enfin, c'est que des bonnes surprises, on a fait plein de rencontres et tout, donc c'est top. Et du coup là je vous mets notre prochaine destination, donc Alkarak, donc ça va être un château, enfin une ancienne ville fortifiée, du coup il y a encore les remparts. On va visiter le château. Apparemment, il y a une très belle vue sur la vallée et sur du coup la mer Morte. Donc voilà, je vous montre tout ça. Thank you.
Du coup, vous avez vu les images, c'était super joli. Donc le château d'Alcarac, très intéressant parce que du coup, on avait un guide qui s'appelait Nour, qui était très gentil et qui nous a super bien expliqué l'histoire du château. Ensuite, on voulait faire le... D'ailleurs, on avait une très belle vue sur la vallée et sur la mer Morte du château. Mer Morte qu'au final, on n'a pas fait parce qu'en fait, tout simplement, on s'est trompé de route. On a pris la route dans les terres au lieu de prendre la route qui longe la mer Morte. Et du coup, on la fera peut-être au retour, on ne sait pas encore. Et ensuite, du coup, on voulait faire un wadi. Donc les wadis, ici, c'est les canyons. Et il y avait le wadi Mujib qui était très connu, mais du coup, je savais que c'était très touristique et c'était assez loin. Du coup, on a trouvé un autre qui s'appelle le wadi Abia Hamad, si je ne me trompe pas. Je vous ai mis le nom sous les images. Et c'était incroyable, on était tout seul. Totalement tout seul. Du coup, bah, c'est une marche pied dans l'eau dans le canyon. Donc en plus, il faisait bon. C'est trop agréable. La route était un peu galère pour y aller parce que c'est beaucoup de virages, ça monte, ça descend. Et nous, avec la petite cacahuète qu'on a, on n'avance pas trop vite. Mais c'était incroyable, magnifique, vraiment. Et du coup, la prochaine étape, c'est le fameux Petra. Donc c'est vraiment bah, quasiment, c'est sur l'emblème de la Jordanie, le monument le plus important de la Jordanie, puisque c'est une des 7 merveilles du monde moderne. Donc il nous tarde d'aller voir ça, on est surexcités. Donc vous verrez ça du coup dans une prochaine vidéo, ainsi que le Wadi Rum, qui est le désert de Jordanie, qui est magnifique apparemment. Donc, on vous parle de tout ça dans la prochaine vidéo YouTube. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous ai parlé un peu de nos débuts en Jordanie qui sont juste incroyables. Un pays qu'on adore déjà. Donc, je vous laisse avec la prochaine vidéo pour voir les prochaines images.